quoi, genre. Bah, on va faire avec. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va. Là, ça commence à être long, la quarantaine, genre, vraiment. Et du coup, comme ça devenait long, j'ai fait beaucoup de commandes. Et les commandes mettent du temps. J'ai l'impression qu'ils viennent à pied, les colis. Enfin, je sais pas encore, on n'a pas le choix. Si tu veux commander, ben, il faut que tu attendes. J'ai commandé chez Révolution Makeup. C'est une marque que je vois beaucoup sur YouTube. C'est une marque qui a la réputation d'être de bonne qualité, mais pas très chère. Et je voulais tester par moi-même pour voir tout simplement la qualité. En globalité, j'ai pris tout pour un make-up total. Du coup, voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc le colis, il s'est présenté comme ceci. En vrai, je pensais qu'il allait être plus gros que ça parce que j'ai commandé genre beaucoup, beaucoup. Donc par contre, j'ai grave kiffé parce que genre quand tu ouvres la boîte, il y a une petite écriture comme ça. You are the revolution, voilà. Et je trouve ça trop cute. Et si vous voulez savoir, j'ai reçu en combien de temps durant le mois de confinement du coup. J'ai reçu au bout de 2 semaines, quelque chose comme ça, c'était quand même super long. J'étais obligée d'attendre si je voulais mon colis, donc j'ai envie de te dire, c'est la vie quoi. On va commencer avec la lighter, je sais pas, c'est le premier truc que je trouve. Donc j'ai pris cet highlighter là, donc, comme vous pouvez le voir, on en a un clair, un doré et un gold. J'ai pris une poudre, donc c'est une poudre pour le baking. J'ai pris la banana tout simplement parce que en général dans tout ce qui est make-up il y a souvent le mot banana qui revient beaucoup. Bah banana je sais que c'est une chose qui me va, c'est pas trop clair normalement, ça devrait le faire. J'ai acheté aussi un spray, et vas-y c'est confinement, c'est en train de se promener. Restez chez vous non? Déjà une flyenne comme ça, voilà. Alors oui, j'ai acheté un spray fixateur. J'en ai jamais utilisé. Donc mon make-up il est terminé, bah, il est terminé, basta. Enfin je ne rajoute rien sur mon maquillage. Et là je me suis dit vas-y on va tester. Elle coûtait vraiment pas très cher. Elle était en solde. Du coup on prend tout de suite, on adore, on adhère. Juste j'ai senti comme ça. Et ça sent super bon. Donc moi c'est le Rose Freeze si ça vous intéresse. Et déjà le packaging il est super joli. Donc c'est le Rose Freeze. Ensuite j'ai acheté un concealer. En tout cas, je sais qu'il fait très parler de lui parce que c'est un dupe d'une autre marque. Personnellement, j'ai pris une teinte, je ne savais pas. C'est compliqué de choisir ses teintes sur internet. Franchement, j'ai vraiment fait ça au feeling. Donc moi, si vous voulez savoir, c'est la C5.7. Voilà, je sais pas si vous y verrez quelque chose. On tente quand même. Mes sports fait vivre. I don't know, but... j'ai essayé quoi. Pareil pour le fond de teint, j'ai pris quelque chose de hyper normal, enfin un truc vraiment pas cher. Et franchement, j'ai trop peur que ça soit pas ma teinte. Je verrai bien de toute façon. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc c'est une palette de bronzer. Moi j'adore les bronzers, franchement c'est ma vie. Je me maquille pas sans mettre au moins du bronzer. Voilà, donc là ce qui est bien c'est qu'on a 4 teintes. Et celui-là il est un peu plus nacré. Donc voilà, franchement top du top. Ensuite j'ai pris un blush. Par contre je tiens à préciser que les blushs vous pouvez vous faire avoir tout simplement parce que sur Révolution Makeup les couleurs ne correspondent pas à ce qu'on reçoit clairement. Moi je m'attendais à quelque chose de plus orangé, j'avais pris quelque chose un peu plus de pêche, je sais pas m'expliquer, mais là ça fait plutôt corail et c'était pas du tout ce que j'avais commandé. Alors ensuite on a ces 2 lipsticks, voilà. Ce sont des mattes et moi je voulais quelque chose de pêche, de nude, de joli. Donc si vous voulez savoir les références, donc il y a celui-ci, le plus foncé, c'est le 107. Et pour le plus clair, juste ici, c'est le 103. Donc je sais pas encore si je vais les mettre dans mon make-up parce que j'ai prévu un make-up comme chargé et en couleur du coup. Franchement, je vous montre tout ce que j'ai pris, mais c'est pas sûr que j'utilise tout. Ensuite, j'ai pris un liner, tout simplement. Franchement, il est beau gosse. Ouais. La mine, elle est comme ça. Franchement, il est simple et tout. Ensuite, j'ai pris un liner comme ça, blanc. Franchement, j'ai pris un truc vraiment pas cher.
Voilà, je me suis pas cassé la tête. Hein. Alors ensuite, on a un rouge à lèvres, pareil, un rouge à lèvres mat, tout simplement. Rouge comme ça. Franchement, il est beau gosse. Donc ensuite, moi, je voulais des paillettes. J'aime bien les make-up pailletés, etc., etc. Donc du coup, j'ai pris un lot de paillettes. J'adore so much. I love it so much. Ça, c'était en solde. Je crois que c'est passé à 3 au lieu de 5 euros, il me semble. Je me rappelle plus trop. J'ai acheté aussi un petit crayon, voilà, pour faire le contour de mes lèvres. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Tout simplement basique. J'ai pris une palette et pour moi c'est la palette qui était l'une des plus jolies. Donc c'est une collab en plus avec Patricia Bright. Je sais pas si j'ai vraiment bien dit son prénom, mais bref, du coup voilà, je vous montre. Même le design, franchement, il est super classe. J'aime beaucoup beaucoup. Je vous montre comme ça. Et juste regardez les couleurs. Elle est pas trop belle. Enfin franchement. Maintenant on peut commencer, je vais faire le petit make-up. Donc c'est parti. Là, je me suis rapprochée pour que vous voyez plus mon visage. Même s'il est moche, voilà, ça va être insupportable au début. Mais après tu vas t'habituer, t'inquiète. D'abord je vais prendre une crème qui vient de chez... Oula, ça veut pas faire le focus. Qui vient de chez Jadermine. Moi c'est une crème que j'adore parce qu'elle est pour les peaux normales à mix. Elle donne un effet matifiant, donc c'est-à-dire qu'elle va pas me graisser la peau. Et j'aime bien, et en plus ça coûte pas cher, donc... Il y a encore quelqu'un qui sort dehors, c'est une blague. C'est la quarantaine. Macron, il a dit, faut pas sortir, rester chez vous. Les gens, ils sont là, ils font la fête, ils sortent, ils vont se balader, nanana. Mais non, non, on a dit non. Pourquoi vous faites les délinquants comme ça, là? Les gens, ils comprennent rien, respectent rien, tu vois. C'est un truc de ouf. Du coup, là, hop, on met la crème, comme ça, hop. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vais faire ça vite fait, vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Bon alors voilà, je viens de faire mes sourcils là. Je pense que ça se voit son visage, genre ils étaient pas là avant, là ils sont là. En plus, il y a le concealer autour. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser tout simplement mon fond de teint de chez Révolution. Alors, je vous dis ce qu'il promet ce fond de teint. Alors, fond de teint lissant et couvrant total. Couvrance totale. Oh là là, je sais pas lire. J'applique, je tapote. Je crois que c'est trop foncé. Non, franchement, on est orange, regardez. Oh, c'est pas grave, on adore l'orange. Et franchement, c'est la couleur du soleil, de l'été et tout. C'est pas grave. Hop. J'ai l'impression que quand même, il m'a l'air couvrant. On adore le orange. En fait, le fond de teint est trop foncé. C'est pas ma carnation, mais pas du tout. Bon, on poursuit. Je vais utiliser le concealer. Oh, par contre, il est super blanc. Et franchement, je ressemble à rien. Oh, je ressemble à rien. Le fond de teint est trop foncé. L'anti-cerne est trop blanc. Oh, ça va pas, ça va pas. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il est vraiment couvrant. Hop, on en met un petit peu sur les yeux aussi. Comme ça, on en profite. Ça fera ressortir notre make-up. Ça se fond bien. Donc voilà pour l'anti-cerne. Franchement, il est bien. Franchement, il est bien. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille bien. Ah, on va faire le baking, you know. Oula. Tu vas te calmer, toi. Oula là 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 là, les problèmes. Bon, écoutez, ça a l'air d'être ma tante. Je vais laisser poser. Et pendant ce temps-là, je vais tout simplement faire mon make-up. Donc, c'est parti, mon ami. Et le volet, il s'est fermé, genre. Et vas-y, 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 vas-y. Il y a le flemme. Dehors, il y a le vent, c'est la tempête. Tout va bien dans ma vie. On va prendre. Oula, et je vous dis, dehors, c'est la tempête, là. Restez chez vous. Même le temps, il le dit, reste chez toi. Donc là, je vais prendre tout simplement ce petit, qui est un marron clair, qui est la couleur Queen. On adore. Je vais tout simplement... Ah oui, j'ai pris un pinceau estompeur. Je vais tout simplement étaler comme ça. En fait, là, je cherche juste à bien estomper ma couleur au max. Franchement, ça va, la pigmentation. Franchement, elle est là. Je vais prendre la couleur jaune qui est ici, qui s'appelle la vitamine C, tout simplement. En fait, logique. Et en fait, je vais en déposer juste au-dessus de mon petit marron. Je
vais fondre le petit jaune avec mon petit marron. Maintenant, je vais prendre une couleur marron foncé. Donc, je vais prendre ce marron-là. Je vais le mettre dans le creux de l'œil. Voilà, on va creuser. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre tout simplement le petit rouge vin, juste ici. Il est super beau. Il s'appelle le Pillow Talk. Et je vais simplement mettre sur le coin de l'œil. Il est vraiment pigmenté, il est ouf. Waouh! Non, franchement, les couleurs, elles sont ouf. Là, je vais tout simplement prendre un estompeur, l'estompeur de tout à l'heure, et je vais fondre la matière. Donc là, je fonds les matières entre elles. Très important d'estomper, franchement, estomper vos make-up. On ne dira jamais assez, estomper. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le violet qui est juste ici. Je vais le mettre sur le coin de l'œil. Et toujours avec mon pinceau estompeur, j'estompe les couleurs. Une fois qu'on a bien estompé, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne ici pour bien ressortir la prochaine couleur que je vais faire ressortir. Donc là, je vais faire le crease. Voilà, ça s'appelle comme ça, je crois, le crease. I don't know. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de filmer dans le vide. Je suis dégoûtée. J'ai mis de l'anti-cerne sur mes yeux. J'ai fait la forme ovale. Et ensuite, j'ai mis ce bleu-là qui est l'Ocean Deep, que j'ai appliqué avec ce pinceau-là afin de bien être précise. Mais bref, en tout cas, c'est juste on tapote en fait tout doucement en suivant notre marquage au concealer que l'on a fait. Je vais reprendre mon petit pinceau comme ça avec lequel j'ai appliqué du violet et je vais en fait appliquer le violet proche du bleu, voilà. On va ensuite utiliser nos petites paillettes compressées. Et franchement, elles sont trop belles. Bah, je vais reprendre mon pinceau bleu, toujours en suivant le bleu que j'ai posé. Voilà, on applique les paillettes comme ça. Franchement, c'est pas trop évident au niveau d'ici. Bon voilà, j'ai terminé. C'est waouh. Genre, je n'ai pas de mots pour décrire la beauté de ces paillettes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau. Un pinceau biseauté, je vais en fait mettre en ratil tout simplement. Je crois que je vais prendre le violet et je vais le mettre en ratil. Voilà pour le violet et maintenant je vais prendre le rouge qu'on avait pris tout à l'heure. Je vais le fondre avec le violet. J'enlève un maximum de couleurs sur ma main. Et je vais prendre le jaune de tout à l'heure et je vais l'estomper en bas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon eyeliner. Franchement, me demandez pas. Des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas. Bon, voilà pour mon liner. Franchement, je sais pas s'ils sont de la même taille. C'est pas très grave. Voilà, j'ai fait ça au feeling. Voilà, on fait tout au feeling de toute façon. Je vais appliquer des faux cils. Et par contre, je n'ai pas commandé de faux cils sur Revolution parce que je ne sais pas. Leurs faux cils, ils me disaient rien. Personnellement, j'ai pas trouvé qu'ils étaient ouf. Les faux cils que je vais mettre là, ils viennent de chez Shein. C'est ce packaging là. Mémorisez bien, screenez même. Les faux cils sont vraiment super. J'aime vraiment le rendu, de toute façon je vais les mettre, vous allez voir, vous allez kiffer, vous allez vouloir les acheter, je le sais. Là ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va mettre comme du mascara. Je tiens à préciser que je n'ai pas aussi acheté de mascara chez Revolution Makeup, du coup je vais prendre un mascara qui est à moi. Et ensuite je vais appliquer mes faux cils. Donc si ça vous intéresse, le mascara que je vais mettre, celui de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex, voilà. Donc là je vais prendre un pinceau pour appliquer en fait mon bronzer, le bronzer d'ici je pense, parce que comme j'ai pris un fond de teint foncé, on va prendre un bronzer foncé aussi, comme ça, ça va se voir. Oula, oula chérie, non chérie, oula, oula, oula. Bon alors attendez, je vais essayer d'estomper, hop. Oula là, et c'est pigmenté de ouf, et franchement cette palette elle est bien, mais sur le front, parce qu'on a un gros front. Là, je vais faire un petit contouring du nez. Hop.
Pour mon pinceau, j'applique la matière. Je fais la même chose avec l'autre côté. Hop. Maintenant, on va prendre notre magnifique poudre qui n'était pas celle que j'avais choisie. Je vais prendre un petit peu de couleur. Franchement, je vais un petit peu estomper parce que j'ai peur qu'elle soit grave pigmentée. Là, franchement, regardez. Oh, je viens juste tapoter comme ça. Elle est pigmentée de ouf. Je vais appliquer maintenant mes fossiles. Bon voilà, avec les fossiles, franchement le rendu il est juste ouf. Les fossiles ça change tout clairement. J'aime beaucoup 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 beaucoup. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre le crayon de chez Revolution Makeup de tout à l'heure qui est la teinte la plus foncée. Du coup je vais faire le contour de mes lèvres. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre la couleur la plus claire de mes deux lipsticks. Donc du coup je vais venir en appliquer un tout petit peu au milieu. Que je vais venir estomper, oh là, hop, j'estompe au max. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gloss de chez Fenty Beauty, qui est le transparent, qui dit un beau make-up, dit Fenty Beauty here. Donc hop, on prend et je vais venir tapoter. Franchement, j'ai pas envie d'abîmer le pinceau, genre je sais pas vous, mais moi je veux qu'il reste blanc toute la vie. Toute la vie, je veux qu'il soit blanc. Donc juste déposer la matière comme ça. C'est bon. Bon bah du coup je l'ai un petit peu abîmé. Et franchement je veux pas. J'essaie d'enlever le maximum de rose là, vous voyez, hop. Il reste encore une petite chose à faire. C'est tout simplement l'highlighter. Je vais prendre cette couleur là qui m'a l'air incroyable. Venir en mettre. Waouh. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois très très bien. Waouh. Ok, bon, on adhère, on adore. Franchement, j'adore. On va mettre sur le nez, comme ça, et sur le petit bout. Oh, waouh. Voilà, hop, pour que ça brille. Il faut que ça sunshine un petit peu. Hop. Voilà pour ce make-up. Je suis grave contente des produits que j'ai achetés, notamment pour la palette. Je suis très fière. Elle est magnifique, je ne regrette pas, surtout pour le prix et la pigmentation. On a une très bonne qualité. Le prix de chaque produit en vaut le coup en fait. Genre, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, je suis choquée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.